York, jour 4. Nous sommes samedi février et il est 9h15. Cette lumière est atroce. Tu sais que je trouve le montage. Donc samedi 23 février, il est 9h15 et on se dirige vers les Williamsburg pancakes. Nos journées se ressemblent toutes, non je plaisante. Ouais, on va dans le quartier de Williamsburg, ça avait l'air super sympa. Et normalement ce soir on termine par un coucher de soleil à la High Line. Ça risque d'être cool encore cette journée. Après avoir passé notre vie dans le métro, là il est 11h, on arrive enfin à Williamsburg. En fait, il y avait plein de soucis, il y avait deux lignes qui étaient fermées. Et du coup, on a dû prendre à chaque fois des itinéraires bis, etc. Et ça nous a pris un temps fou. Bref, on est contente d'arriver quand même. Sweatshop, là, c'était super bon. C'est vrai que ça change pas mal pour une fois de pas manger de pancakes quand même. Bon, je pense que dans ma prochaine vidéo favori, ou plutôt les tribulations de février, je vous ferai un petit haul parce que vous n'êtes pas prêtes. Là on est au State Park de Williamsburg et c'est canon et franchement si vous venez visiter New York en été ou au printemps, je pense que ça doit être trop cool pour pique-niquer parce qu'il y a plein de tables là-bas derrière et tout aussi, puis bah la vue quoi. À la base, on voulait faire la skyline au coucher du soleil. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il faisait tout gris. Et puis, je sais pas ce qu'on a fait. On n'a pas trop géré au niveau du temps. On s'est posé, vous avez vu tout à l'heure, dans un café, le butler, qui était trop bien. Vraiment très, très sympa. Et on n'a pas vu le temps passer. On était fatigués et tout. Donc là, ben, on est là de nuit. Et c'est très, très joli aussi. Et puis, de toute façon, comme on est en hiver et qu'il n'y a pas forcément de végétation, c'est pas très vert. C'est pas très grave. Il y a un petit coin comme ça où on peut s'asseoir et vous avez une vue vraiment bien alignée sur la rue. C'est joli. Passe-moi le plaid, on est trop bien là. Moi j'ai cru qu'ils allaient projeter un film en fait. Il manque un petit corner pour des boissons chaudes.
serait parfait. Qu'est-ce qu'elle a, l'Eskimo? Il fait froid, mais c'est génial. Mmh. Vous voyez les rails là? Enfin, les rails sous la pampa, quoi. Et donc là, il y a même des transats où vous pouvez vous poser face à la ville. Et donc, je maintiens que ça doit être vraiment sympa avec grand soleil et je sais pas, plutôt au printemps ou l'été. Plutôt que là où il fait, je pense qu'il fait 2 degrés là, à peu près. Là, j'aime trop, je vais pas dire la déco, mais je sais pas, l'architecture. Briques, fer, j'adore. Je sais pas si ça rend pareil en vidéo, mais c'est... J'aime trop. J'aurais trop voulu faire un mur comme ça, genre dans ma cuisine. En fait, ici, le bâtiment, tout ça, c'est Chelsea Market qui est en gros au milieu de la High Line. Jour 5, on est dimanche 24 février et il est, je crois, 10h. Nous sommes venus ici à 8h pour assister à un office de gospel. Et c'était incroyable. C'était incroyable autant par les chansons, il n'y avait pas beaucoup, mais c'était carrément presque un TV show en fait. Et ouais, c'était impressionnant et ce qu'il racontait aussi, surtout, je trouve ça amène vraiment à réfléchir, quoi. Il reste un petit peu de neige de mercredi survivante. Moi j'aime trop les petites bordures d'arbres comme ça, ouais. Je trouve ça trop joli. Moins les détritus, mais là ils avaient plus de budget pour mettre pour ça. C'était... descendu un petit peu plus au sud et on va se faire quelques monuments et on va aussi passer un petit peu voir quelques magasins que j'avais repérés sans faire de shopping mais juste pour voir ce que ça donne en vrai.
chez Lego juste à côté. Et en fait, vous pouvez acheter vos pièces vraiment à l'unité et en vrac. Au poids, ouais. Avec Enzo, on est tombé par hasard devant Urban Space et en fait il était 14h et on n'avait pas mangé le midi. On n'avait pas spécialement faim, on savait pas si on avait prévu de manger en fait, et vu qu'on avait petit déj à 10h. Et en fait c'est super sympa, j'ai vu nulle part cette adresse parce qu'on connaît plus le Chelsea Market ou des choses comme ça. Et du coup vraiment très bonne découverte, très très cool. Et là, on se dirige vers... voilà. En fait, depuis ce matin, on tombe sur des petits trucs comme ça, genre grand immeuble, et des toutes petites maisons qui sont encore là et qui survivent, quoi. Et là, on se dirige vers Grand Central Terminal, Grand Central Station, trucs comme ça. De visiter ces deux librairies pour la fan de bouquins que je suis, c'était magnifique. On se serait cru dans Harry Potter / La Belle et la Bête, enfin, c'était trop bien, trop beau. Et maintenant direction le Flatiron, maybe, qui apparemment est à voir.
On est bien rentré à l'hôtel, il est 21h30, on est épuisé. La Anso, elle est à la douche. C'est notre dernier soir et ça fait vraiment bizarre, le séjour est passé à une vitesse impensable. Au début, je me disais 6 jours quand même et tout, et en fait, ça passe excessivement vite. Mais je suis ravie de notre séjour, franchement, on a fait plein de trucs tellement différents et j'ai tellement la sensation d'avoir vu des belles choses qu'au début, je m'étais dit, je vais être frustrée parce que je pourrais pas tout faire, et en fait, mais pas du tout. J'ai vraiment le sentiment de, voilà, d'avoir vu tellement de belles choses à New York que je vais rentrer chez moi pas du tout frustrée. Mais bon, il nous reste encore la journée de demain. Demain, notre avion est à 18h. Je vous le répète, mais du coup, ce vlog sera doublé d'un article où je vous mettrai toutes les bonnes adresses et tout. Même peut-être si je trouve les liens TripAdvisor pour les restos, comme ça, vous aurez tout. Je trouve que c'est plus pratique que dans un vlog. Et je rajouterai quelques photos et tout. Donc ce sera pas mal. Je vous mets le lien de l'article en barre d'infos. Et là, en rentrant à l'hôtel tout à l'heure, on est allé chez Target. J'étais jamais allée, enfin forcément puisque c'est qu'aux États-Unis, je dis n'importe quoi. Et c'est vachement sympa, c'est hyper grand et en fait ils vendent absolument tout, des vêtements, de la déco. J'avais envie de tout acheter au niveau de la déco, c'était trop beau. Et de la nourriture. Donc si ça vous dit, je pense que je vous ferai pas un haul parce que je vais ramener pas grand chose des États-Unis parce que ma valise est minuscule, comme vous l'avez vu dans la vidéo où je prépare ma valise. Mais peut-être je vais l'intégrer, je pense, c'est sûr, même je vais l'intégrer dans ma vidéo tribulation favori du mois de février. Donc voilà, je vous donnerai rendez-vous dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à New York. Sur ce, on va se coucher et je vous dis à demain pour notre sixième et dernière journée ici. New York, jour numéro 6. C'est le dernier, c'est lundi et on prend donc l'avion ce soir à 18h et là on est dans un diner pour notre dernier petit déj. Ça s'appelle Manhattan Diner et typique, les petits fauteuils, les petites banquettes et tout. Ok, pour le dernier petit déj, je pense qu'on a clairement abusé. Ça c'est pour Anso, ça c'est pour moi et ça c'est à partager. Mais avec du vent. Il y a énormément de vent là pour notre dernier jour et voilà, on s'est dit qu'on allait se faire une dernière balade ici parce que ben, c'était pas loin de l'hôtel, comme ça on pourrait récupérer nos valises tranquillement et puis on avait envie de voir sans neige quand même et sous le soleil parce que c'était drôlement beau quand il y avait la neige. Voilà, c'est superbe à part que donc, on a un petit peu froid. Pas de soleil. Il est trop froid. Oh, un écureuil. Oh, un corail. Oh, coquerail. Oh, bon appétit. En vrai, on est vraiment super bien couverte, mais genre, avec ce vent. Voilà, moi je me balade comme ça depuis tout à l'heure. Mais je me suis dit que ce serait pas très poli de vous parler comme ça. Sur les bancs, il y a des plaques commémoratives et donc c'est une façon en fait pour les gens de faire un don pour Central Park et puis d'avoir une petite trace sur un banc. Je trouve ça trop mignon. Genre à un moment il y avait marqué ceci est un banc pour vous reposer, vous aimer. Trop mignon quoi. J'adore. C'est la tempête. J'espère que vous m'entendez bien, que ça fait pas trop de bruit de vent. Donc là on est dans l'Upper East Side, on n'y est pas du tout allé parce que si je dis pas de bêtises, il y a quand même plein de choses à visiter. On va aller voir les marches du Met quand même.
ça va méga vous donner le tournis. Coucou Anso. T'es mignonne. C'est trop cool. Je sais pas vous, dites-moi ça en commentaire, mais moi j'adore les balançoires, mais depuis toujours. J'y passais des heures en fait, et après quand mon petit frère, enfin après non, avant, quand j'avais l'âge de 6 ans, mon petit frère est né et mes parents avaient un rocking chair et c'était tout le temps moi qui l'endormissais parce que j'adorais faire du rocking chair et bercer mon petit frère, c'est trop bien. Voilà, c'était la petite info personnelle du jour.